Bienvenue, Mohamed Chouqi. Merci, merci Rachid Alaoui de m'accueillir pour débattre d'un sujet très important et d'actualité. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Mohamed Chouqi, je rappelle que vous êtes président de la commission Finances et Développement économique au Parlement, à la première chambre, puis précisément dans la Chambre des représentants. Vous êtes député RNI, circonscription de Boulmen, et vous êtes le coordinateur général du RNI pour la région Fès-Meknès, Exact. pour que la présentation soit globale. Ce premier débat avec vous sur cette année économique 2023 qui s'ouvre à nous, vous fait réagir un peu là-dessus, on fera réagir également sur le projet de loi de finances, loi de finances effective depuis le 1er janvier. Et ensuite, bien sûr, sur tout ce qui est inflation, hyperinflation, récession qui menace un petit peu le monde. Vous avez vu dernière sortie du FMI, Oui. comme quoi la moitié des pays dans le monde, enfin la moitié des pays européens seraient touchés par une Arrête. récession, et un tiers des pays dans le monde et un tiers des économies. Donc quelle menace éventuelle ou quel risque en tout cas pour notre pays, le Maroc. Mais peut-être pour commencer, Mohamed Chaoukri, votre appréciation générale, appréhension ou pas d'ailleurs, complexité ou pas de cette année économique 2023. Très bien, merci beaucoup. Pour répondre à votre question, je dois dire que le nouveau gouvernement a entamé un mandat dans un contexte inédit. Un, les séquelles de la crise sanitaire du Covid-19 et ses répercussions, notamment en ce qui concerne la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Deux, une sécheresse exceptionnelle. Et ces deux facteurs combinés, exacerbés par la guerre en Ukraine et les effets, on va dire, hyperinflationnistes de cette crise. Malheureusement, l'année 2023 ne s'annonce pas du tout facile. Mais Est-ce que ça n'est plus difficile que 2022, Mohamed Chaoukri, pour vous? Alors justement, parlons de ce qui s'est passé en 2022. Oui. Alors le gouvernement a essayé par des mesures, on va dire, non conventionnelles, de 1. Maintenir le pouvoir d'achat des citoyens, 2. Stimuler l'économie nationale et 3. Préserver les équilibres Est-ce macroéconomiques. qu'il est arrivé, Mohamed Chaoukri, quand vous dites 1, préserver le pouvoir d'achat des Marocains, 2, Alors, stimuler la croissance? sur ces Parce deux que quand points, on regarde les indicateurs, j'ai envie de citer 4 ou 5 mesures phares qui sont premièrement les 16 milliards supplémentaires de dépenses en compensation, 2. Les 2 milliards de dirhams pour soutenir le secteur touristique, 3. Le soutien au secteur des transporteurs. Les transporteurs, on a dû terminer l'année avec 5 milliards, Pour les 5 milliards 5,4 de dirhams, d'aide directe pour les transporteurs. 5,4 milliards de dirhams. Oui. Et finalement, les 10 milliards, les 10 milliards de dirhams consacrés pour réduire les effets de la sécheresse et surtout les remboursements des arriérés TVA qui ont atteint 13 13 milliards de milliards de dirhams. dirhams. Ça, c'est pour le boost de l'économie et la préservation Oui. du pouvoir d'achat. Maintenant, pour le maintien des équilibres financiers, je pense que le gouvernement a réussi sur deux fronts. Le premier front, c'est de ne pas avoir eu recours à une loi de finances rectificative qui, avec toutes ses dépenses et dans ce contexte mondial, est un exploit en soi qu'on doit applaudir. Et deux, on a terminé, le gouvernement a fini l'année avec un déficit budgétaire aux alentours de 5,3, qui est un chiffre en deçà des chiffres qu'on discutait lors de l'examen de loi de finances 2022. Donc on va revenir sur ces différents aspects, mais ce que j'ai envie de vous dire aussi, Mohamed Chaoukri, quand on regarde, si on regarde les objectifs aussi et les chiffres atteints en 2022 par l'économie nationale, les grands chiffres, hein, 1,3% de taux de croissance, c'est-à-dire une croissance quasiment nulle, un taux de chômage qui repartit à la hausse, une inflation autour de 8,5%, 8,3% en tout cas pour le mois de novembre dernier, une facture énergétique qui a complètement explosé. Voilà. Donc je me dis, est-ce qu'on n'a pas le même prisme de vue sur le bilan économique de l'année 2022 avant d'aborder 2023, hein? Le contexte mondial économique, je l'ai décrit au début. Donc ça, c'est les points négatifs. Mais j'ai envie de donner une note positive. J'ai envie de citer là le rapport de l'agence de notation Moody's qui en juin de l'année dernière a déclaré que le Maroc a, on va dire, un gallier en maturité en termes de gestion des crises. Et on était en année de crise. Et a gagné aussi en améliorant ses gouvernances, ce qui lui permet d'affermir, on va dire, l'agilité de son action budgétaire, mais aussi la soutenabilité de son endettement. Et donc tout ça, c'est pour 2022. Oui. Pour l'année 2023, je pense que le gouvernement va aller pour continuer dans les axes stratégiques définis, qui sont, premièrement,
la stimulation de l'économie nationale par l'investissement. On va y revenir parce qu'il y a une charte d'investissement qu'on a votée, mais aussi faire face au stress hydrique et surtout continuer l'instauration des fondamentaux de l'État social. Sauf que ce que j'avais dit, c'est que l'inflation est toujours là. Elle pourrait se traduire d'ailleurs parce qu'il y a une réelle menace d'hyperinflation chez nous et ailleurs dans le monde. Est-ce que ça s'est pris en considération aussi par ce gouvernement? Parce qu'en 2022, effectivement, il y a des rallonges budgétaires qui ont été allouées à la caisse de compensation. Vous avez fait référence tout à l'heure. Il y a des rallonges budgétaires aussi allouées, 1 milliard de dirhams à l'ONE, de manière à maintenir le kilowattheure sans qu'il y ait de hausse, mais c'est une hausse du déficit de l'ONE. C'est une espèce de transfert qui a été fait en 2022. Est-ce que ça peut être aussi soutenable en 2023, voire 2024, compte tenu que l'inflation pourrait s'inscrire dans la durée, selon les spécialistes à travers le monde? C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'en 2023, Mohamed Chokri, sur l'inflation des prix, la cherté du coût de la vie, le gouvernement compte reconduire ce qu'il a fait jusqu'à présent sans intervention et d'être direct auprès des populations, en tout cas défavorisées, qui sont directement en front office face à l'inflation? Avant d'arriver aux mesures, on va dire, exceptionnelles ou extraordinaires, non conventionnelles, qui peuvent pallier à ces effets inflationnistes, je voudrais parler de l'année 2023, comment elle s'annonce. Alors, l'année 2023, on a une année agricole qui n'est pas rassurante, finalement. Malgré les précipitations qui sont venues en décembre dernier, qui ont fait remonter le niveau de précipitation à un niveau historique moyen. Il y a aussi que les partenaires économiques du Maroc sont en panne. Je vais citer la directrice du général du FMI, qui, lors d'une déclaration à CBS, a dit que l'année 2023 va être encore plus difficile que l'année 2022 parce que les trois moteurs principaux de l'économie internationale, que sont les États-Unis, la Chine et l'Europe, sont en train de ralentir de manière simultanée, qui est un effet rare sur les 15-20 dernières années. Alors, le Maroc, qu'est-ce qu'il fait? Il continue donc de faire face, premièrement, au stress hydrique. Deuxièmement, stimuler l'investissement, et notamment dans les énergies renouvelables, et l'instauration des fondamentaux de l'État social. Mais Mathieu, quand vous dites justement, vous reprenez à juste titre d'ailleurs les déclarations de la directrice générale du FMI, qui dit clairement 2023, surtout le premier semestre, va être extrêmement compliqué. Il y a de la complexité et des complications parce que la Chine est quasiment à l'arrêt, en tout cas même s'il y a 2 ou 3% de croissance, mais ce n'est plus le moteur de croissance qu'on bien a sûr, connu. Bien sûr. Les États-Unis devraient échapper à la récession, mais ils connaissent aussi des difficultés. L'Europe, 50% des pays européens, c'est-à-dire un pays européen sur deux, devrait être en récession en 2023. Est-ce que nous, on va continuer à se concentrer sur les tensions hydriques, effectivement, c'est une réalité, s'occuper de ce qui se passe un petit peu chez nous, ou de se dire, voilà, eh bien, on risque d'avoir aussi une demande Maroc qui devrait se raffermir, se contracter, et que les investissements directs étrangers devraient être peut-être moins importants au vu de la configuration économique 2023? Alors, bien sûr, vous le dites à juste titre, le Maroc doit se concentrer sur ses problématiques essentielles, le stress hydrique notamment. Alors, vous le savez, aujourd'hui, le Maroc est officiellement en stress hydrique et cela va impacter de manière directe le citoyen et de manière indirecte. De manière directe par les perturbations éventuelles à l'accès à l'eau potable et aussi par l'impact négatif sur l'agriculture. Donc, que fait le gouvernement? Donc, il est en train instaurer cette culture où on doit arrêter de considérer l'eau comme une ressource disponible à bon souhait. Ça reste un bien commun, non, l'eau? Bien sûr, mais ce n'est plus un bien ou une ressource qui est disponible à bon marché. Et puis, est-ce que ça veut dire qu'il y a une régulation qui va se faire par le prix de la consommation d'eau avec une augmentation du mètre cube d'eau qui pourrait intervenir en 2023? Il faut transférer les ressources hydriques des bassins qui sont excédentaires aux bassins déficitaires. L'eau recyclée aujourd'hui qui n'est utilisée que pour l'arrosage doit être potabilisée et éventuellement consommée. On doit aller vers la construction des 20 nouveaux barrages. Et aussi, et on va le discuter dans les détails de la loi de finances 2023,
c'est toutes ces stations de dessalement qui doivent venir pour faire face à, justement à ce stress hydrique. En tout cas, augmentation du prix du mètre cube d'eau en 2023, possible ou pas possible ? Pas possible. Parce qu'on a vu des surprises aussi avec l'augmentation du prix du tabac en 2023, l'augmentation du prix aussi de tous les produits alimentaires. Et moi, je suis gourmand du biscuit et du chocolat aussi, avec la tique qui va augmenter d'ailleurs. Donc du coup, le chocolat et les biscuits vont coûter beaucoup plus cher, et les boissons aussi. J'attire votre attention. En pleine inflation. J'attire votre attention pour les produits, on va dire, qui contiennent du sucre, à la facture sanitaire qui sont liées à des maladies comme le diabète. Donc le Maroc. C'est pour ça que vous avez relevé la tige sur les. Au fait, les produits sucrés. Il y a des normes aujourd'hui. Ouais. On a instauré des normes pour que les quantités que contiennent ces produits doivent être réglementées par des normes, et les produits qui respectent justement ces normes, qui sont, on va dire, acceptables pour la santé publique, ne vont pas être taxés. Donc de la même manière. L'augmentation de la tique sur les produits sucrés, c'est parce que vous avez le souci de l'État et de la santé des Marocains. L'effet. Pourquoi vous ne retirez pas la subvention sur le sucre? Ça aurait été plus dissuasif. La subvention pour le sucre, c'est tout un écosystème qui inclut les agriculteurs et puis le produit, il y a le sucre de bouche qui est un produit de nécessité pour les Marocains. Donc ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, l'effet, on va dire, pécunier ou financier sur les recettes de l'État en instaurant cette tique est minime. On va dire que c'est plus un souci de santé des Marocains. Mais en même temps, depuis le 1er janvier, ceux qui achètent du chocolat ou des biscuits ou du jus de fruits ou des boissons gazeuses, elles ont augmenté. Donc en pleine inflation. Alors déjà qu'il y a une inflation galopante depuis plusieurs mois. Mais justement, vous avez décidé d'alimenter cette inflation. Il faut un travail d'accompagnement, il faut une sensibilisation pour les enfants, pour les élèves aux écoles, sur les effets néfastes de certains produits sur leur santé. Et puis, cette tique viendra pour alléger la facture du gouvernement. En même temps, vous dites que de toute façon, les recettes générées par cette hausse de la tique sur les produits sucrés, on parle de combien à peu près En dizaines, centaines de millions d'euros Qui s'approche des centaines de millions d'euros. 300 millions, 200 millions d'euros. Non, je pense que c'est beaucoup moins. On est en train de parler, j'ai le chiffre des biscuits, on parle de 60 millions de dirhams si on inclut. Je pense que on est aux alentours de entre 100 et 200 millions de dirhams sur cette tique. C'est un cadeau pour 2023 pour les industriels, pour les consommateurs, parce qu'on est en pleine inflation et donc du coup ces produits-là vont coûter plus cher. Vous voyez, à la consommation donc. Oui, certes, mais on a eu l'engagement pour avoir discuté avec les acteurs de la santé, on avait avec les experts et aussi avec les industriels, on s'oriente vers l'instauration d'un fonds pour la sensibilisation, pour le sport, pour l'éducation physique, tout ça, pour qu'il permettrait de compenser l'un et l'autre. Et sur le tabac, c'est la même chose ? Ben, le tabac, vous connaissez. On a vu la croissance le tabac n'est pas un sujet. Je pense qu'on va continuer à. Je pense que la loi de finances 2022 a consacré une visibilité sur les 5 prochaines années sur l'éthique pour les produits de tabac. Et même, on a rajouté des choses sur la cigarette électronique cette année. Tout à fait. Toujours, certains consommateurs de cigarettes électroniques se disent la tique passe de 2,5 à 40%. Toujours dans un souci. L'OMS, par exemple, il s'est exprimé il y a quelques mois, là-dessus, en disant que clairement la cigarette électronique était moins nocive que la consommation de tabac classique. Et vous avez décidé de remonter les taux de droits de douane. Toujours dans un souci de la préservation de la santé du citoyen marocain. En tout cas, les effets, l'État n'est pas dans un souci d'avoir plus de recettes par cette imposition de la tique, loin de là, parce que je vous ai dit que les effets financiers sur les recettes n'est pas énorme. En tout cas, nos concitoyennes et concitoyens en 2023 qui aiment le chocolat, les biscuits ou les boissons sucrées et qui en plus sont fumeurs, il va y avoir une détérioration, la vie va coûter plus cher pour eux. Le poids de ces produits sur le panier des Marocains n'a pas un poids énorme.
On passe toujours sur cette loi de finances. Bien sûr. De 2023, donc effective depuis le 1er janvier sur les grands axes. On l'a débattu, nous, ici, longuement à l'info en face. C'est pour ça qu'on se réjouit de vous avoir aujourd'hui, d'avoir le président de la commission développement économique et fiscalité à la Chambre des représentants, pour essayer de comprendre en fait l'orientation et la perspective que compte donner ce gouvernement en matière de fiscalité, à la lumière aussi des recommandations des assises fiscales. Parce que entre l'IS, l'IR et les impôts indirects, on ne comprend pas trop la trajectoire donnée par ce gouvernement. Alors avant de parler des mesures fiscales, il faut dire que cette loi de finances a une philosophie. Premièrement, cette loi de finances, elle est audacieuse parce qu'elle vient consacrer une réforme fiscale, ça veut dire moins de recettes, dans un contexte où l'État essaie de préserver le pouvoir d'achat, donc plus de dépenses, tout ça dans un souci de maintenir les équilibres macroéconomiques. Donc ça, c'est la philosophie. Maintenant, on va dire le style ou l'orientation. Mmh. Quatre orientations principales. Bien sûr, on va dire toujours continuer dans la consacration des fondamentaux de l'État social. Stimulation de l'économie et l'investissement. Il faut qu'on parle à un moment, Rachid Hallaoui, de la charte de l'investissement. Le maintien des équilibres financiers et aussi la réduction du poids de l'inflation sur le pouvoir d'achat sur les ménages et sur les entreprises. Citoyens. Sauf que quand on regarde de près, moi je ne suis pas fiscaliste, je ne suis qu'un modeste journaliste animateur de débats. Ouais, mais okay, c'est qu'on se dit, voilà, on se dirige vers une convergence d'un IS à 20%, on est bien d'accord, donc avec un allègement en tout cas de la pression fiscale sur le capital et sur l'investissement, mais avec une pression fiscale toujours aussi élevée sur le travail. Donc, est-ce que ça, c'est la philosophie partagée par ce gouvernement, faire en sorte que le capital, que la pression fiscale sur le travail soit beaucoup plus importante que la pression fiscale sur le capital ? On va y arriver. Oui. On va y arriver parce que ce qui est exceptionnel cette année, c'est que avant de venir avec la loi de finances, le gouvernement est venu à la représentation nationale pour parler de l'IR, oui, de l'impôt sur le revenu, d'une réforme attendue d'ailleurs qui n'est pas intervenue. Mais on va voir que l'assiette de l'IR, finalement, il n'y a pas beaucoup à gagner des marges. Mais les potentialités en matière de fiscalité. On va y arriver pour les professions libérales. Et justement, c'est un souci d'équité fiscale ici. Mais je veux revenir plus important sur les orientations. Oui. Et donner quelques chiffres. Donc, que peut-être vous connaissez. Donc, pour le renforcement de l'État social, deux grands sujets. La finalisation de la généralisation de la couverture maladie, on a eu 9 milliards de dirhams budgétisés pour le transfert des ramidistes en un mot. Ceci concerne 4 millions de familles marocaines. Si on fait le ménage, il fait 3 personnes, donc c'est 12 millions de Marocains, c'est le tiers de la population. Pour la santé, il y a 5 500 postes nouvellement créés. Et 28 milliards de dirhams de plus, 28 milliards d'investissements, donc ça fait 5 milliards de plus. Pour l'éducation, 23 000 postes et 69 milliards. Santé, éducation, c'est 96 milliards de dirhams. Exact. Sauf que vous le financez comment ça ? Est-ce que c'est, même si vous dites que ça ne génère pas beaucoup de sous, mais l'augmentation de la TIC sur le sucre, l'augmentation du prix du tabac, je vous pose la question. Ça, c'est les recettes. C'est comment tout ça, les sources de financement. Ça, les sources de financement, ouais. c'est le budget général de l'État, c'est les recettes ordinaires. On parle toujours, donc ces chiffres que je vous annonce, c'est les recettes, c'est les dépenses ordinaires face aux recettes ordinaires budgétisées pour l'État. Donc, stimuler la deuxième orientation, c'est stimuler l'économie nationale. Donc, la charte de l'investissement a été votée. Donc, la loi de finances prévoit pour les régimes de soutien que prévoit la charte d'investissement 3,3 milliards de dirhams. Ça, c'est les budgets qui sont alloués. Initier cette bien sûr, charge d'investissement. Bien sûr. Sauf que quand on regarde de près, et c'est les recommandations d'ailleurs du nouveau modèle de développement qui était présidé par Cheikh Ben Moussa, d'ailleurs qui fait partie de ce gouvernement, ou encore le CESE, c'est de dire voilà, aujourd'hui il faut revoir notre paysage économique et faire en sorte que les économies de rente, les situations de monopole disparaissent, parce que c'est ça la gangrène de notre économie nationale. Donc la charge d'investissement, c'est bien, mais ça ne sera pas suffisant.
Sûrement. Par rapport à toutes ces recommandations. Sûrement, sûrement. Aujourd'hui, la loi de finances, si on revient en arrière, la loi de finances de l'année 2022 est la première loi de finances du programme gouvernemental qui est en alignement complet avec le nouveau modèle de développement. Alors, cette charte d'investissement, qui est un projet, on va dire royal, parce que la charte d'investissement, la dernière charte d'investissement qu'on a eue, date d'il y a 26 ans. Donc, on a aujourd'hui un texte qui vient pour soutenir l'investissement privé. Mm-hmm. On doit aujourd'hui basculer les taux. Aujourd'hui, on a les deux tiers de l'investissement qui sont de l'investissement public. Le 1/3, c'est de l'investissement. Inverser le ratio. On doit inverser le ratio. Sauf que, je vous dis, en fait, ce qui revient dans tous les rapports, et j'ai l'impression que ça n'a pas été tenu compte d'ailleurs dans ce projet de loi de finances et par ce gouvernement, c'est celui à l'État, ce qui empêche en fait de créer des opportunités en matière d'investissement. Parce qu'il y a une charte, effectivement, c'est un cadre général, vous l'avez très bien dit, oui, qui définit en tout cas les règles du jeu, entre guillemets, de l'investissement. Mais encore faut-il avoir les opportunités en matière d'investissement. Et que là, il y a des situations aujourd'hui de monopole ou de rente qui empêchent, en tout cas, l'attractivité de l'investissement chez nous, y compris l'investissement privé marocain. Vous savez, les situations de monopole existent partout, hein, mm-hmm, dans le monde. C'est des situations qui sont des faits d'économie historiques, on va dire. Aujourd'hui, l'essentiel de cette charte d'investissement, c'est qu'on ait un système de soutien spécifique, pour des secteurs stratégiques, pour on va dire, faire disparaître les disparités entre les provinces et les préfectures du royaume. Justement, l'attractivité d'une province comme Boulmen pour l'investissement, il est inconcevable aujourd'hui qu'une province comme la province de Boulmen ait zéro unité industrielle. C'est ça la justice qu'on doit avoir en termes d'attractivité d'investissement. Et cette charte d'investissement qu'on a votée vient aujourd'hui consacrer, on va dire, une équité régionale entre les régions. Mais ce sera même la même fiscalité partout, en fait. Oui, il n'y aura pas de fiscalité régionale, bien d'accord. Sûr. Mais le système de soutien, bien sûr, le soutien ou le barème de soutien va être différent. Mmh. On ne peut pas donner le même soutien pour un projet d'investissement à Tanger ou à Knetra ou à Casablanca. Ou à d'autres régions du pays. D'autres régions du pays, ce qui est clair. Mais en tout cas, par rapport au fait de dire, voilà, est-ce que vous considérez que la charte d'investissement telle qu'elle a été mise en place et déroulée, d'ailleurs, parce que de toute façon, elle a été validée au Parlement, mmh, va permettre de drainer en 2023 beaucoup d'investissements. Bien sûr. Et je pose la question. Bien sûr. Une séquence aujourd'hui de... Mais bien sûr, le contexte n'est pas le meilleur, meilleur des contextes conjoncturels, c'est clair. Mais aujourd'hui, quand on a un engagement de l'État pour faciliter un accès aux zones industrielles, pour faciliter un accès à la formation, à l'innovation, pour faciliter l'accès au financement... Tout ça milite vers une convergence de l'investissement et des IDE, l'investissement, que ce soit national. Et les IDE, on est bien d'accord. Mais en même temps, alors je ne sais pas si c'est parlé, alors je ne sais pas si c'était concerté ou pas d'ailleurs, Mohamed Chaouki, il y a eu deux augmentations du taux directeur bancaire décidées par Abdel Jouari, le gouverneur de la Banque centrale, ça ne vous a pas échappé. Hein. Et alors je me dis, donc en 2023, il pourrait y avoir d'ailleurs une nouvelle hausse selon l'agence de notation Fitch qui annonce... En tout cas, qui ne s'était pas trompé de la dernière prédiction en septembre dernier, octobre dernier, en disant qu'avant la fin de l'année, il y aurait une nouvelle hausse du taux directeur au Maroc. Effectivement, il y a eu un relèvement de 50 points de base. L'Agence nationale de notation financière, Fitch, parle de 100 points de base au mois de février-mars prochain. Donc je me dis, comment booster l'investissement sur l'ensemble du territoire, le rendre attractif, y compris auprès des investisseurs marocains, alors qu'on a l'argent et le dirham qui va coûter plus cher. Écoutez, l'argent, de toute façon, coûte plus cher partout dans le monde. La BCE et la Fed ont augmenté avec des respectivement de 450 et 350 points de base. Donc l'argent coûte plus cher partout dans le monde. Maintenant, Abdel Jouari et la Banque centrale sont dans leur rôle. Et on a un souci de préserver le niveau de prix. Il faut faire face à cette inflation. Et donc, parmi les mécanismes que prévoit la politique monétaire, c'est d'augmenter les taux directeurs pour justement faire face à l'inflation. Cette inflation est importée, donc le souci de la Banque centrale est de préserver
le niveau du taux de change de la devise marocaine. Donc il faut tout ça, on peut imaginer que s'il n'y a pas ces hausses du directeur, on peut avoir une aggravation monstre du déficit de la balance commerciale. Donc tout ceci est donc... Mais est-ce que ça arrange vos affaires, vous, au niveau du gouvernement? Parce que je me rappelle une sortie de la petite joaillerie il y a quelques mois qui disait la croissance économique, c'est la responsabilité du gouvernement. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, c'est la politique monétaire, la stabilité du dirham et faire face au taux de change et de la parité euro-dollar. Est-ce que ça arrange vos affaires en 2023, le fait qu'il y ait un resserrement, en tout cas un resserrement monétaire, bien sûr, enclenché, ouais, qui devrait perdurer en 2023? Tous les resserrements de politique monétaire ne sont pas enfin les bienvenus pour les investisseurs. Ceci dit, Akhil Jouahri, quand il dit que la politique monétaire c'est de son ressort, la croissance économique c'est le ressort du gouvernement, il dit vrai. Donc le gouvernement a mis en place toutes les mesures nécessaires pour essayer de stimuler l'économie nationale, notamment en tout cas à la représentation nationale, on est optimiste quant à l'effet direct de cette nouvelle charte de l'investissement sur l'économie nationale. Malgré le fait qu'il y ait une hausse des crédits, on le voit d'ailleurs, les crédits immobiliers, les consommations. Aujourd'hui, si on voit la baisse du taux directeur sur les trois trimestres qui ont précédé l'année 2022, elle n'a pas eu un effet direct sur la progression de la demande des crédits. Donc, on dit parce qu'il y a peut-être il y a toujours un effet différé en termes de temporalité. C'est pas du tout. Il y a toujours un décalage dans le temps. Je ne pense pas. Je pense que c'est plus un souci d'accès au crédit pour l'investisseur, oui, sur lequel l'État s'est engagé. C'est un engagement écrit noir sur blanc dans la charte de l'investissement. Je pense que c'est un sujet plus d'accès au crédit qu'un sujet de disponibilité ou en tout cas au prix du crédit. En tout cas, il y a à la fois, Mohamed Choukri, le fait que le taux directeur bancaire est augmenté à deux reprises et pourra augmenter une troisième fois d'ailleurs en début 2023. Et puis en même temps, il y a une taxation aujourd'hui de l'IS à l'égard des banques, des assurances aussi de la CDG, qui a été relevée à la hausse, autour de 40%. Donc on se dit, voilà, si aujourd'hui il y a des rejets ou en tout cas de la frilosité du secteur bancaire à octroyer des crédits, c'est peut-être aussi parce que le gouvernement a relevé à la hausse la pression fiscale sur le secteur bancaire et celui des assurances. D'abord, il faut savoir que la Banque centrale a d'autres mécanismes qui peuvent aider les banques à se refinancer. On parle de la réserve monétaire, on parle des opérations d'open market qui peuvent aider et la liquidité bancaire. Je ne partage pas votre pessimisme pour l'économie. Pas le pessimisme, c'est une forme de réalisme aujourd'hui qui commence à se faire sentir dans des banques. Pour être optimiste pour l'année 2023, il faut revenir en 2022 et voir le comportement des exportations marocaines. Oui. Alors on a vu des phosphates, on a vu l'automobile. Cette année, il est prévu que les exportations marocaines dépassent les 40 milliards de dollars, soit une augmentation de 14% par rapport à une année moyenne. Ça, c'est pour l'export. Ça, c'est pour l'export. Et pour l'import? Bon, quand on dit qu'aujourd'hui, tous les spécialistes à travers le monde, experts, disent voilà, la flambée, l'inflation des produits énergétiques devrait perdurer, l'inflation à travers le monde, hyperinflation aussi, récession. Je ne pense pas que l'inflation de l'année 2023, de l'année 2022, en tout cas les niveaux d'inflation de l'année 2022 vont perdurer sur l'année 2023, parce qu'on voit par exemple... Justement, vous me parlez de factures énergétiques. Aujourd'hui, on voit le charbon qui est en train de stagner, voire baisser un petit peu. Comme le baril de Brent, d'ailleurs. Et donc, je pense que Sauf que, Mohamed Choukri, il y a une incertitude. C'est que, vous faisiez référence d'ailleurs tout à l'heure, c'est que la Chine n'est pas à l'arrêt, mais en tout cas connaît des difficultés, n'a pas encore relancé la machine. Si, courant 2023, ce que beaucoup espèrent d'ailleurs, la Chine repartait, et donc... actionner le levier de relance de son économie, il y aurait automatiquement une remontée à la hausse du baril de Brent,
de la tonne de gaz et de charbon. Moi, je pense. Et donc le retour de l'inflation. Moi, je pense le risque n'est pas là. L'upside risque sur les prix des matières premières et notamment sur le Brent ou au prix du charbon, c'est plus une aggravation de la crise en Ukraine. Qui devrait malheureusement durer aussi en 2023. Donc c'est une double incertitude qui fait donc, beaucoup de spécialistes. L'incertitude, voilà. Moi, je vous ai dit, le gouvernement, ce nouveau gouvernement, malheureusement, il a entamé son mandat dans un climat d'incertitude incroyable. Je pense que les opportunités ne manquent pas pour le Maroc. On parle aujourd'hui de nouvel Eldorado qui peut être les énergies renouvelables, notamment dans nos provinces du Sud. Je voudrais ici saluer aussi tout l'effort que fait le Maroc dans les énergies renouvelables. Et je vais prendre deux points. Le gaz naturel qui est considéré comme le levier de transition énergétique. C'est un combustible, on va dire, qui est moins polluant que les autres. Moins polluant que le charbon, mais qui est polluant. Mais qui peut facilement être associé aux autres énergies renouvelables, qui sont l'éolien et le solaire, où le Maroc a fait ses preuves. Et deuxièmement, l'hydrogène vert, où Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a demandé aux différents départements, plus qu'une feuille de route, une offre Maroc. Pour l'hydrogène vert, d'où un programme de l'investissement de l'OCP très ambitieux. Et je pense, à terme, une industrialisation ou une intégration horizontale, on peut avoir, un peu avoir, à partir de cet hydrogène vert, une industrie du ciment vert, du verre vert, de l'aluminium vert. Et donc ça peut... De ces crises ou de ces conjonctures difficiles, on peut créer des opportunités incroyables. Juste un petit mot sur l'énergie. Est-ce que, parce que je rappelle, vous êtes président de la commission finance et développement économique à la Chambre des représentants, est-ce que l'ONE va continuer à supporter l'inflation sur les produits énergétiques et du coup qu'en 2023 il n'y aura pas de répercussions à la hausse du kilowattheure à la fois pour les ménages et à la fois pour les entreprises, parce que voilà, parce que l'autre fois Abdelrahim Hafedi, le DG de l'ONE, dit voilà, c'est nous qui supportons les déficits, mais est-ce qu'on pourra le supporter longtemps? Bon, en tout cas, on l'a supporté pour 2022, qui était l'année de l'hyperinflation. Aujourd'hui, il y a une grande réflexion, ou plutôt un projet de réforme de cette institution publique très respectable, qui, je pense, va dégager, on parle de transfert de certaines branches, notamment de la distribution, ou de cessions d'actifs qui pourraient aider la santé financière de l'ONE, pour justement voir dans quel mécanisme on peut ne pas répercuter toute la flambée des prix sur tous les Marocains. On pourrait répercuter une partie, mais pas la totalité. En tout cas, c'est pas prévu en 2023. Pas d'augmentation du kilowattheure en 2023. L'énergie n'est pas compensée. On était aussi sur les hydrocarbures. On l'a vu, même si effectivement les prix sont à la baisse, à la pompe depuis quelques semaines. Il y a plein de mesures il y a les pays comme ça, je pense à l'Espagne qui est juste à côté, qui prend des mesures aussi pour alléger un petit peu la pression fiscale sur les hydrocarbures, qui sont le principal, j'ai envie de dire, instrument de destruction du pouvoir d'achat des ménages là-dessus. Est-ce que le gouvernement, par rapport à la hausse, en tout cas la hausse tendancielle ou à la baisse des prix des hydrocarbures, à la pompe, des plafonnements des prix à la pompe ou allègement de la pression fiscale, pas prévu en 2023? Alors, vous savez, si vous êtes en train d'orienter la discussion pour parler de recompensation des prix des hydrocarbures... Ou des mesures, en tout cas, des mesures pour essayer d'alléger la pression. Vous savez, les 26 milliards de dirhams de compensation qu'on a prévus, c'est 13 CHU. Hein. Un CHU qui coûte 2 milliards, c'est 13 CHU. Donc le gouvernement est clair là-dessus. On veut pas réinstaurer la compensation parce qu'on veut justement... on veut pas se retrouver après quelques années sans CHU, sans école de qualité, sans université de qualité. Donc... Je voudrais revenir, si vous me permettez. Donc, Eric, aucune mesure ne sera prise en 2023 pour alléger la pression de la hausse des prix des carburants. Encore une fois, le président de commission des finances et du développement économique que je suis, on n'examine que les mesures, on va dire, ordinaires.
qui sont dans la loi de finances, les mesures exceptionnelles ou on va dire non conventionnelles qui peuvent être appliquées au courant de l'année, ça se discutera. Parce qu'il n'y a eu aucune intervention du gouvernement pour faire face à l'inflation des prix à la pompe. Chaque pays, oui. Chaque pays gère, on va dire, ces problématiques d'inflation avec la manière dont ils pensent est la meilleure. En tout cas, on fonctionne des ressources dont nous disposons. Je voudrais revenir sur les mesures, si vous me permettez, sur les mesures fiscales. On va y revenir sur la fiscalité, mais juste sur la compensation en 2023. Vous disiez un crédit alloué budget, en tout cas, de 26 milliards de dirhams. On a fini l'année à plus de 30 en 2022. 32 milliards de dirhams. Donc vous pronostiquez en fait un crédit budget alloué à la compensation qui sera moins important en 2023 qu'en 2022. Alors, oui, bien sûr, parce qu'au fait... Au fait, les prix, c'est juste le différentiel. C'est juste le différentiel. Et on estime que les prix du gaz vont être plus ou moins... C'est-à-dire qu'on n'aura pas une progression qui dépassera ce qui va se passer en 2022. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas de réforme de la caisse de compensation en 2023 où vous allez profiter aussi peut-être d'une décrue de l'inflation qui est pronostiquée en deuxième semestre 2023 pour réformer la caisse? Aujourd'hui, il y a une grande réflexion. Il y a le registre social unifié qui arrive. Et donc, on est en train de penser à un meilleur ciblage du soutien, on va dire, du pouvoir d'achat. Donc, peut-être que cette année ou l'année prochaine, on va entamer vraiment la réflexion la législation sur ce sujet de sur la caisse de compensation. Donc il pourrait y avoir en tout cas une décompensation du gaz butane et la bouteille de gaz avec... Aujourd'hui, 2023, on n'en parle pas. C'est ce qu'a dit Fawzi Larcher il y a quelques semaines. Non, donc on n'en parle pas. Mais aujourd'hui, une réflexion finalement, on aura bientôt un registre social unifié. Ouais. On pourrait mieux cibler tous ces mécanismes de soutien de pouvoir d'achat que gère la compensation. Ça, c'est essentiellement pour les populations précaires, de la précarité, défavorisées. Mais cette classe moyenne, Mohamed Chokri, est-ce qu'aujourd'hui, on le voit avec l'inflation, c'est essentiellement chez nous et ailleurs dans le monde, les classes moyennes qui sont directement impactées, plus fortement d'ailleurs que les populations extrêmement défavorisées. Et on assiste, selon certains économistes chez nous, à un déclassement de notre classe moyenne. Est-ce qu'aussi avec le RSU, le déploiement d'aides directes, un petit peu tout ça, cette inflation grimpante et galopante qui est toujours présente, est-ce que vous n'allez pas être tenu pour responsable, entre guillemets, du déclassement de notre classe moyenne? D'abord, les cycles ne durent pas de manière indéterminée. Et donc, et tout cycle d'inflation va créer des resserrements de politique monétaire, qui elle-même crée des récessions ou des stagflations, en tout cas une stagnation de l'économie. Et donc les cycles finissent par se détruire et la croissance reviendrait et l'inflation va se stabiliser. Donc ça d'une part. D'autre part, donc comme je vous l'ai dit, n'importe quelle économie a ses propres ressources. Donc, et le Maroc n'a pas des ressources illimitées. Donc on gère avec les ressources qu'on a. Et on doit être tous d'accord, tous les Marocains, on doit être tous d'accord que la priorité, c'est pour les tranches qui sont plus défavorisées. Plus défavorisées, en tout cas, et pas les classes moyennes. Parce qu'il y a un choix, il y a un choix politique à faire. Donc vous avez choisi plutôt les populations en situation de précarité. L'arbitrage. Ouais. Se fait, on va dire, naturellement. L'arbitrage se fait naturellement pour les couches... Nous n'avons pas les moyens, nous, le Maroc, notre pays, à la fois de soutenir nos classes moyennes et à la fois, et en même temps, soutenir les populations défavorisées. Alors, c'est ça que ça veut dire. En général, que ce soit pour les classes moyennes et pour les classes précaires, il nous faut de la croissance économique. Ça, c'est la création de richesses, la création d'emplois qui va soutenir et donner du pouvoir d'achat à ces classes moyennes. Donc l'orientation générale, bien sûr, il y a les directs
aux couches sociales les plus défavorisées, mais aussi il faut que le gouvernement continue par des mesures concrètes à stimuler l'économie nationale, créatrice de richesses et créatrice d'emplois. Et justement, c'est là, quand on a de la croissance économique, les bienfaits sont sur toutes les classes. Quand c'est bien distribué, quand il y a une belle irrigation qui est faite de la création de richesses, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous. Justement, cette distribution vient par l'équité fiscale et par la solidarité. L'équité fiscale, c'est justement ces mécanismes de retenue à la source qu'a instauré la loi de finances 2023 sur l'impôt sur l'IR. Et la solidarité, c'est justement l'augmentation du taux d'IS pour les monopoles qui sont les banques, les assurances, Banque du Maghreb et la CDG, qui ont vu leur taux d'IS passer de 35 à 40%, et une solidarité maroco-marocaine, encore une fois, pour les sociétés qui ont leur bénéfice net supérieur à 100 millions de dirhams, ouais, qui ont vu leur IS passer de 31 à 35%, alors que... Vous dites clairement, tout le monde passe à la caisse, donc c'est équitable. Non, attendez. Et les petites et moyennes entreprises convergent, on va voir leur taux d'IS converger à 20%. Ça, c'est le cœur de l'économie nationale. C'est la petite et moyenne entreprise à la toute petite moyenne entreprise. Mais, sauf que les TPE et les PME râlent un peu parce qu'en disant qu'on va être logé à la même enseigne au niveau de l'IS que les grandes entreprises qui sont en situation de faire des professions en tout cas réglementées, protégées, qui vont payer un IS à 20, et nous, TPE, PME, qui nous battons tous les jours et qui se levons tôt, on va être aussi soumis au même barème. Mais donc, aussi, il trouve ça injuste. Mais il y a aussi le taux de la contribution minimale qui passe de 0,4 à 0,25. C'est ça aussi pour faire face à justement cette problématique de toute petite entreprise. 2023, on finit 2022 avec, en tout cas officiellement, je ne sais pas si vous allez confirmer, Mohamed Chaoukri, un taux de croissance autour de 1,2-1,3% oui, en 2022. Mmh. Je rappelle que les prévisions étaient autour de 3,5%. On dit 1,5 peut-être ? Ouais, en tout cas, selon le HCP, on parle de 1,2, 1,3. Je ne sais pas si le gouvernement parle de 1,5. Le gouvernement parle de 1,5. 1,5, en tout cas, c'est largement en deçà des prévisions de ce qui avait été prévu dans le projet de loi de finances 2022. Projet de loi de finances 2023, le gouvernement, en tout cas, table sur un niveau de croissance autour de 4%. Oui. C'est ça ? Oui, tout à fait. Le HCP s'est exprimé hier ou avant-hier, d'ailleurs, en disant oui, prévision de croissance au cours 2023, selon le Haut Commissariat au Plan, autour de 3,2-3,3%, conditionné à la pluie. Bien sûr. Le FMI dit 3% si, un, il y a une amélioration de l'environnement international, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, et deux, s'il pleut beaucoup. Alors, encore une fois, on est dans une année normale. Alors, le normatif veut que sur une année avec une pluviométrie moyenne, ça nous donnerait 1,5 de plus que l'année dernière. On a un effet de base qui est faible, donc c'est un autre 1,5. Donc on va facilement être dans les 3%. Donc on espère avec toutes ces mesures d'incitation à l'investissement. Vous comptez plus sur l'investissement pour avoir un taux de croissance plus élevé ou plus sur la pluie? Alors vous dites que la pluie c'est fini aujourd'hui. De toute façon, on fera quoi, 45, 50 millions de quinto? Oui, c'est 1,5. Ça, c'est 1,5 de plus. 1,5, donc. C'est 1,5 de l'effet de base. Et puis, on cherchera le 1,5 de plus sur tout le reste. C'est-à-dire que la croissance économique. Il y a un volume d'investissement qui est prévu. On se dit, parce que je crois qu'un point de croissance chez nous, c'est entre 5 et 10 milliards de dirhams d'investissement, enfin de création de valeur, un point de croissance. Oui. Donc, bon, il y a 28 milliards de dollars qui sont prévus par le budget de l'État pour l'investissement public. Donc on espère que tous ces programmes d'investissement, le programme d'investissement de l'OCP et surtout la stimulation de l'investissement privé, peuvent apporter une vraie dynamique pour la croissance économique. Et ceux qui sont inquiets, qui se diraient, voilà, certains économistes qui disent, de toute façon, notre modèle de croissance économique aujourd'hui crée trop peu de richesses, en fait. Vous avez fait référence à l'investissement public. On a un ratio, d'ailleurs, en matière de création de valeur qui est très faible. Si on voit la première décennie du règne de Sa Majesté, on a créé pour un point de PIB 32 000. Je pense que maintenant, on est aux alentours de 20. Donc, je pense que c'est normal. Au début du règne de Sa Majesté, on était plus sur des chantiers structurels, etc. Maintenant, il faut le mix
le mix de secteurs d'investissement, soit créateur d'emplois et aussi, on va dire la densification de l'investissement public-privé. C'est le rôle que peut jouer le fonds Mohamed VI pour l'investissement qui peut être... Qui va être lancé là, d'ailleurs, j'ai vu, parce que Mohamed Ben Chebbo a tenu le premier conseil d'administration. Mais est-ce que vous disiez, il y a les dépenses, en fait, il y a l'approche ordinaire par rapport à la loi de finances, et ensuite, pendant l'année, il peut y avoir des choses qui peuvent être mises en place aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place aussi au niveau de la dépense fiscale, l'exonération fiscale, pour encourager l'investissement certains secteurs d'activité bien précis? Je pense que la loi de finances, dans sa philosophie, encore une fois, prévoit... on va dire la mobilisation de toutes les marges financières dont peut disposer le gouvernement. Alors dans ce sens, si bien entendu on a des recettes qui sont on va dire supérieures à ce qui est prévu ou ce qui est budgétisé, on peut imaginer facilement, comme ce qui s'est passé l'année dernière pour les 13 milliards de remboursement de TVA, de la dépense fiscale en faveur de certains secteurs ou bien en faveur de trésoreries. Après évaluation des dépenses fiscales, des exonérations fiscales qui auront été attribuées, parce que ce qu'on reproche pas à ce gouvernement mais aussi au gouvernement précédent, c'est qu'il n'y a jamais eu d'évaluation qui a été faite sur la dépense fiscale et sur les exonérations fiscales par rapport aux secteurs d'activité, on pense à l'immobilier ou autres, qui ont bénéficié d'exonération fiscale. Aujourd'hui, pour l'immobilier, je pense que l'approche du nouveau gouvernement, elle est claire. On coupe avec le soutien à l'offre. Mmh. Maintenant, on bascule à la demande avec un soutien direct aux futurs acquéreurs. Oui, tout à fait. Juste dernière petite question aussi sur les... parce que c'était prévu dans le projet de loi de finances 2022, un recours à la dette sur les marchés internationaux. Bien sûr. Donc là, je vois que ça a été reconduit en projet de loi de finances 2023. Oui. 40 milliards de dirhams. C'est prévu. Est-ce qu'il y a une sortie à l'international qui est prévue dans le premier trimestre 2023? Alors, les défis. Deux. Reprendre l'investment grade que le Maroc a perdu. Oui. Le Maroc qui travaille. Ça sera fixé fin janvier apparemment. Équipes du GAFI sont là du 16 au 20 janvier. Non, je pense que c'est plutôt... ça, c'est un sujet plus pour la ligne de crédit modulable. Oui, pour les deux FMI. Du FMI. Et là, encore une fois, on doit dire les choses dont on est fier. Aujourd'hui, quand on en voit dans notre périmètre, on va dire... nord-africain, on voit que les FMI n'est même pas d'accord avec la Tunisie sur un plan d'ajustement. C'est pas les mêmes difficultés malheureusement chez nous. Oui, mais, l'Égypte, pareil, ils sont encore sur la ligne de précaution qu'ils n'ont pas encore eu. Donc nous, on est un cran plus haut, on est en train de discuter avec le FMI la ligne modulable. Donc tout ça, investment grade, ligne modulable, je pense qu'on peut facilement réussir nos sorties à l'international à 40 ou même à 60 milliards, parce qu'il ne faut pas avoir... 60 milliards durant votre 4 ou 6 milliards de... Alors, il ne faut pas avoir peur... D'euros ou de dollars d'ailleurs, on irait emprunter parce qu'on a varié... Après c'est des arbitrages... Le dollar est plus cher que l'euro actuellement. Oui, c'est des arbitrages de la direction du Trésor et des financements extérieurs, je pense qu'ils ont parfaitement qualifié pour faire les arbitrages nécessaires en temps voulu. Un dernier mot, si vous me le permettez, sur ce sujet-là. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'endettement, parce que souvent on dit... on ne consolide pas les actifs face à l'endettement. Mmh. Alors, il faut les consolider. Et je pense que... Et surtout, c'est la soutenabilité de la dette. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'Égypte. Si l'Égypte aujourd'hui tient bon, c'est plus par rapport à des dépôts d'Abu Dhabi ou d'Arabie Saoudite. Entre autres. Et tout ça pose un sujet de l'indépendance de la décision économique et politique du Maroc. Justement, est-ce qu'on continue à se fragiliser, en tout cas en allant sur les marchés internationaux et en s'endettant, est-ce qu'on ne s'éloigne pas de la souveraineté monétaire? Non, quand on discute une ligne modulable, on n'est pas fragile. Au contraire, on est assez costaud. Hein. Et donc justement, cette indépendance de la décision économique et stratégique,
Je pense que c'est une prouesse pour le Maroc dans ce contexte difficile qu'on n'a pas réussi d'autres pays. En même temps, quand on augmente les taux directeurs, c'est qu'on augmente aussi les charges de la dette. Donc plus on s'endette, plus l'argent va coûter cher au remboursement, surtout lorsqu'on lève de l'euro ou du dollar. C'est du privé, non. Oui. Oui, mais bien sûr, le coût de la dette. Mais bon, ça c'est... Le service de la dette, on est autour de 40 milliards de dirhams chaque année. Bien sûr, ça c'est les conditions marché. Après, ça c'est des arbitrages. On a pu... on va dire, quand on est sorti à l'international, on a dit que les taux n'étaient pas bons, c'était cher. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'était une bonne chose et pour le niveau de... pour le niveau d'endettement et pour la balance des paiements. Sauf qu'on va sortir, on va lever à combien? Si on sort en février-mars, en tout cas en 2023, quand je vois que les économies extrêmement développées, sur 10 ans, lèvent à 3%, 3, 3,5%, ça veut dire que nous, notre taille économique, on devrait lever à 4,5%? Par là. C'est cher, c'est 4,5%. Hein. Oui, c'est les conditions marché. On va faire quoi de ces 40 milliards de dirhams qu'on lève? Vous savez, il y a une loi cadre qui stipule... Qui encadre bien tout ça. Qui encadre tout ça, que l'endettement, il va surtout pour l'investissement. L'investissement. Et pas pour la dépense. L'investissement en matière de quoi, les infrastructures, les... Ce n'est pas de la dépense. Oui. Donc, la loi cadre de la loi de finances prévoit que l'endettement va vers l'investissement et non pas la dépense. Merci à vous, Mohamed Choukri. C'est moi. C'est un plaisir. Plaisir. De démarrer la nouvelle année avec vous. Parce que d'ailleurs, c'est la première fois que je vous reçois en débat. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Groupe Le Matin, l'Info en face, Matin TV. Merci beaucoup. D'avoir fait un tour d'horizon de cette année 2023 qui se profile. Alors, certains la qualifient de complexe, d'autres de compliquée, l'autre d'incertaine. En tout cas, voilà. Donc, il va falloir faire preuve d'agilité, de flexibilité, c'est ça? Exact. Et de faire preuve et d'essayer de prévoir l'imprévisible. Agilité et résilience. Agilité et résilience, c'est les maîtres mots. Exact. C'est les maîtres mots qu'on retiendra. En tout cas, merci une fois de plus à vous, Mohamed Choukri. Je rappelle que donc président de la commission finances, développement économique au Parlement, donc première chambre, chambre des représentants. Rappelez également que vous êtes député RNI, la circonscription de Boulmen, du côté de Fès, et vous êtes le coordinateur général du RNI pour la région Fès-Meknès. Merci à vous. Merci. Et puis vous souhaitez également bonne année. Bonne année à vous aussi. Merci à vous.